Bonjour, 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 partout où vous nous suivez. Vous êtes en direct en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Kinshasa. Mais voici, je suis là, votre serviteur, Monsieur Makuala Pambojan, je suis là à votre disposition. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler sur les titres fonciers, les procédures pour l'acquisition des terrains. Donc voilà, procédure. Alors vous allez nous permettre aujourd'hui, j'essaierai un peu bilingue, donc ça serait important pour nous pour la meilleure compréhension. Alors, j'ai l'Emmanuel avec moi ici. Alors, Manuel que j'ai est intitulé République démocratique du Congo, ministère des Affaires foncières, secrétariat général. Alors, il est intitulé aussi que guide pratique l'acquisition d'une concession foncière en République démocratique du Congo. C'est très important. Alors, pour tout ce qui veulent avoir cette manuelle, ils peuvent aller à l'Internet, ils peuvent télécharger ça. Donc, c'est déjà dans l'Internet, mais télécharger guide pratique d'acquisition d'une concession foncière en République démocratique du Congo. Vous pouvez cliquer comme ça et puis vous verrez les manuels. Alors, dans le préambule, ici, il est écrit, la terre sans conflit est une source de développement. Il nous suggère d'éliminer les conflits fonciers. Récoltons ensemble les fruits de nos terres. C'est très important. C'est très vraiment, cette livre, cette manœuvre, vous pouvez lire le livre, donc vous serez vraiment enrichi. C'est très, 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 très important et ça va vous aider beaucoup. Pour les gens qui ont des lacunes foncières, qui sont des lacunes pour l'acquisition. Maintenant, là, je dois être un peu flexible pour vous expliquer un peu en détail à ce qui concerne les procédures pour l'acquisition des terrains. Voilà. Vous savez que M. Makola, c'est un constructeur. Dans la construction, on trouve beaucoup de choses à ce qui concerne les conflits fonciers. Il y a une interdiction directement à suspension des travaux. Donc, c'est très important de connaître comment procéder pour avoir les documents authentiques pour une concession. Bon, je dis souvent concession pour la meilleure compréhension d'une parcelle. Voilà. Parce que le plan juridique, on voit la concession. Mais pour la meilleure compréhension, je parle de la concession, on voit une grande étendue. Et la parcelle, on voit une petite étendue. Donc, voilà un peu. C'est très important. Alors, j'aimerais expliquer ici ensemble avec vous à ce qui concerne la manière dont on peut procéder pour avoir les documents de propriété. Les documents de propriété, c'est-à-dire Mikanda Bukolopango. C'est très important. C'est très important pour nous tous. Ça va nous aider. J'aimerais que vous soyez un peu attentifs pour aujourd'hui. J'essaierai un peu beaucoup plus dans les détails pour la meilleure compréhension. Alors, j'aimerais commencer ici pour les gens qui veulent acheter les terrains chez les chefs coutumier. Je parle bien les chefs coutumiers, dont les chefs des terres, en quelque sorte. On dit ça comme ça, ici au Congo. Donc voilà. Montagne Kosso n'est pas chef coutumier, Lopango à Kokende, à Pessimbongo, chef coutumier à la Kissi et Mabélé. Lopango, par exemple, votre terrain mesure 20 sur 20 ou 20 sur 25. Alors, là aussi, je voulais aussi spécifier que ce qui va être le pont, ils ont 20 sur 20, ils ont 20 mètres carrés. Alors, pour 20 mètres carrés, l'autre qui est la superficie. Alors, la superficie, on calcule comment? Basé sur la largeur fois la longueur. C'est-à-dire, ce qui est terrain, ils ont 20 sur 20, sur 25, ils ont 500 mètres carrés. C'est ça la superficie. Ce qui est terrain, 20 sur 20, c'est-à-dire, ils ont 400 mètres carrés. Ceux qui ont 20 sur 30, ils ont 600 mètres carrés. C'est ça vraiment la logique, la manière dont il faut calculer la superficie. Donc, il faut enlever cette équivoque-là. Soit que terrain a 20 sur 20, on les a 20 mètres carrés. Non, ce n'est pas 20 mètres carrés, c'est 400 mètres carrés, mais c'est 20 mètres sur 20 mètres. C'est très important, très très important. Alors, pour la moto, à Soumabélé, chez le chef des terres, chez le chef coutumier. Chef coutumier va établir un acte de vente. Un acte de vente. Par exemple, ce que j'ai ici, dans ma possession ici, c'est un acte de vente établi par un chef coutumier. Vous voyez?
il y a l'entête, et puis il y a un texte naïe, et puis ici, acheter caché, et puis acheter assigné, vendeur assigné, voire même les témoins. Donc, voilà. Alors, ce ne sont pas de tous les chefs coutumiers qui ont organisé le chef coutumier Oyo. On fait l'accompagnement pour vous expliquer mieux. On fait l'accompagnement pour tous ceux qui ont besoin de faire des achats, des concessions, des parcelles, ainsi de suite. Nous, on les accompagne pour ça, pour l'obtention des documents. Voilà. Awa, vous verrez qu'ici, lui, il a fait un document, un acte de vente. Le chef coutumier peut vous octroyer un acte de vente, soit un acte de cession. Ça peut aussi intervenir de la sorte, ce n'est pas un problème. Après avoir causé acte de vente, Oyo, acte de vente, alors l'acheteur ou l'acquéreur, il n'est pas habilité, c'est-à-dire, il n'est pas habilité d'aller directement au niveau du. À faire foncer au niveau du cadastre pour avoir le document du cadastre. Ça ne se passe pas comme ça. J'aimerais que vous soyez attentif dans la vidéo à l'élo. Parce que, j'ai de mon principe, mon quoi, il faut qu'il y ait pour attentif pour la meilleure compréhension. C'est très important. C'est très important. Sinon, pour vous la confondre. Alors, tant quoi, chef coutume, t'es qu'il y a ma belle, et le calibre, ce que vous avez, document, ben, acte de vente, au recueil, dans la commune. C'est-à-dire, tant que tu as une limite, tu as une mesure, tu as une borne, soit tu as un chef coutumier, tu as une borne, soit tu as un chef coutumier. Tu as une borne, alors, qu'est-ce qu'on a commis? Et dans la commune, tu as un document, tu as une fiche parcellaire. Tu as une fiche parcellaire, et puis à part fiche parcellaire, la copie ça y est, on a commis mon petit titre de propriété, et puis mon petit ça y est, ma PV de constant de lien, ça constitue un dossier. Alors au cas où si quand on a fiche parcellaire n'est pas sûr si qu'on a accès. Il y a kokende na affaire foncière to na cadastre. Je pense que c'est clair. Ce que sont les terrains na ba chef coutumier pour chef coutumier azalaka na terrain na ka cadastre te terrain na ye ezaka na fiche parcellaire te ezana procès verbal ezana loko mokote ezana terrain ya chef coutumier. Ce que sont les terrains chef coutumier au kobanda d'abord na commune. Na commune ici ko sombeli mabele. Pour que ça fiche parcellaire kuna. Alors, et après, ne okéi si koyo na cadastre. Tant okéi na cadastre, loko le da terrain vide. Loko le terrain vide, ma kopé sur ce qu'on appelle contrat de location. Contrat de location. Voilà. Dans un contrat de location. Contrat de location, il est écrit ici. Démocratique du Congo, ministère des Affaires foncières. Circonscription foncière 2, ça peut être de Lukunga, de Tchango, de Mwa, parce que la ville de Kinshasa, ville province de Kinshasa, est divisée en 4 districts. Nous avons Lukunga, Mouamba, Tchango, et puis l'autre là qui m'a échappé, ce n'est pas grave, c'est 4. Donc voilà. On va écrire souscription des les districts concernés. Et puis, il y a des détails ici dans les contrats de location parce qu'il y a beaucoup plus de feuilles ici. Alors, je pense bien qu'à la fin, il y a ce qu'on appelle les croquis. Les croquis sont là. C'est un peu faux, mais c'est des croquis sont là. On va sélectionner les parcelles voisinant votre parcelle. On va représenter dans les contrats. Et votre parcelle, ça sera aussi représenté dans les contrats des croquis ici. Et puis, on va vous octroyer le numéro cadastral. C'est très clair, le numéro cadastral. Il y a une différence entre le numéro cadastral et le numéro de la parcelle. Il y aura parti de Kizako, Avenue, Makwala, numéro 30. Avenue tel, numéro 10. Mais c'est pas le numéro, mais le cadastral, il y a un numéro cadastral. Il y a un numéro cadastral, il y a 1285, c'est comme ça le numéro cadastral. C'est le plan cadastral de la ville de Kinshasa. C'est très important. Voilà.
Alors, contrat Oyo Bazope Sayo a pour une validité de 3 ans renouvelable. Ce qu'on renouvelle maintenant au Royal Kocha, 2 ans, on va poser pour 2 ans. Alors, en attendant, ça vous permet que ça, on prend ce qu'on appelle les mises en valeur. Mise en valeur, c'est-à-dire moi en ex, moi en garde, ainsi de suite. Ce qui m'a coquillé, c'est à Kotonga ou Tonguindako. Après avoir Kotonga Ndako Nayo, ce qui Ndako Nayo est si vite, est comme un niveau de toiture. Ce que j'ai écrit, c'est qu'au coup, la première date, au coup, la possibilité que nous recevons maintenant, la recevons à ce qu'on appelle certificat d'enregistrement, un document à perpétuité. Donc voilà, ici, nous avons l'originalité, nous avons la photocopie, il y a un Oyo, c'est ça, voilà, certificat d'enregistrement. Voilà, aux documents final, ce que j'ai en gros. C'est très important. Alors, pour la bateau Oyo, pour les gens qui veulent acheter les terrains, par exemple, entre les mains d'une personne, en première lieu, il faut que dans le pont Somba, les terrains là, à quel document? Ça, c'est très important. Parce que beaucoup de gens ignorent beaucoup de choses. Nous sommes dans un conflit énorme, un conflit impossible. Donc, c'est très important de connaître d'abord l'origine. Il y a le pont Somba, ils ont un document Nini. C'est très important. Ceux qui le pensent, ils ont un fiche parcellaire. Au coquine directement, na fiche parcellaire. Ok, il y a une commune pour qu'on affiche parcellaire. C'est très important. Vous comprenez? Alors, ceux qui le pensent, ils ont directement cadastré. Ok, il y a une communauté. Vous allez retourner au ministère des Affaires foncières pour qu'on cause. Ceux qui ont un contrat de location, on va te faire aussi un contrat de location. On va faire la mutation. Pour enlever les noms d'anciens occupants pour mettre à votre nom nouveau acquéreur. Alors, beaucoup de gens pensent que si la parcelle est cadastrée, de lui, il n'ira plus au cadastre. Non, vous serez censé d'aller au cadastre, ministère d'affaires foncières, pour l'obtention de ces documents-là. C'est très important. On va faire la mutation, ce qu'on appelle. Si la parcelle avait ce qu'on appelle certificat d'enregistrement, on pourrait retourner directement à l'affaire foncière pour m'appeler ça. C'est la mutation. Donc, c'est le certificat d'enregistrement, mon chouchou, à votre nom. On dit comme ancien occupant. C'est très important. Alors, je pense que l'eau, dans mon air, qui est dans la première partie, et deuxième partie, ça va se suivre. Alors, tant que mon tour le pango, par exemple, héritier, c'est-à-dire propriétaire et le pango, tata le pango à Koufaki, papa à Koufi, Atiki le pan wana bana, toi tiki mama, ce que bien vous voyez que nous yo yé pour son le pan wana. Il est à savoir que lorsque le propriétaire, quand ma belle, quand le pan wa koufi, atiki bana, attend moi dans mon côté, azana possibilité, y a côté ka le pan. Les enfants sont des héritiers, automatiquement, sont des héritiers, mais bazana habilité, y a côté ka le pan wote. Voilà. Famille, basé dans toi côté Kalopango. Alors, pour bana bate Kalopango, il faut basse la concertation. Il faut basse solo la bayokana. Bayokana, basse la document à Bengaka. Protocole d'accord. Protocole d'accord là, ça va permettre de choisir ce qu'on appelle un liquidateur. Liquidateur, à ça Kalopango, mais Azali Moto a commis habilité. Il y a côté papé si pouvoir, papé si mandat. Voilà les mots qu'il faut pour vendre la parcelle. Alors, dans le protocole d'accord, il y aura répertorié les noms de tous les héritiers, y compris leur signature. Par exemple, vous achetez une parcelle entre les mains des héritiers ici à Kinshasa, mais d'autres héritiers ne sont pas à Kinshasa. La place Bazali, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, il faut bâtir la signature na bango. Qui n'a pas la mairie va légaliser yango et va tindre après quand on a quatre dossiers. Alors, mais ce qui est sali erreur au sombu le pan et pas héritier que l'un d'eux va signer quitter à signer qui protocole d'accord ou en a été c'est le vient à sali opposition. Bakoubara bilo ono libanda bon on est qui a des pertes. C'est ça que beaucoup les gens qui ignorent. C'est très important de connaître ces histoires ici. Ça va vous aider beaucoup. Ça va vous sécuriser parce que l'argent n'est pas facile. L'argent,
pour avoir l'argent, il faut des sacrifices. Même pour acheter les parcelles, il faut qu'il y ait des sacrifices parce que les parcelles coûtent énormément. Que ce soit 2000 dollars, que ce soit 3000, que ce soit 5000, 10000, 50, 100000 dollars, c'est beaucoup d'argent. De même, c'est 1000 dollars, c'est beaucoup. C'est beaucoup alors. Alors, il faut être sûr. Là où vous voulez déverser votre argent, il faut être sûr. On a fait naître terre. C'est très important. Alors, il y a un acte de vente. Plus acte de vente, il y a un document de titre de propriété. Ce qui est un cadastre, puis il y a un cadastre, ainsi de suite. Protocole d'accord. Légalisé, il y a une signature à tous les héritiers. Protocole d'accord plutôt. Et puis, ça va vous permettre pour qu'il y ait au juif, c'est la réjouissance, c'est bas le pan où il y a au sommi. Ok, maintenant, on a cadastré, ceux qui ont cadastré, ceux qui ont non cadastré, dans la fiche parcellaire, au coquené, dans la commune. Mais il y a à noter que, ceux qui ont le pan où il y a cadastré, ok, dans la commune, ok, comme il y a un mécanda, il y a commune, comme il y a par exemple, fiche parcellaire, il y a bas, ils ont un poids juridique de mon côté. Vous comprenez? C'est très important. Ils ont un poids juridique de mon côté. Là, il faut vraiment retenir. Alors, c'est un peu ça. C'est clair. Alors, si par exemple, vous voulez acheter une parcelle, que son propriétaire n'est pas sur place, par exemple, Kolopango, Aza, en Belgique ou France, ou Honolulu, je ne sais pas, Span ou autre, je ne sais pas moi, Aza Moussika, alors, adoptez Kolopango à Kinshasa, c'est vrai, certes, pas de côté comme moi. Client à mon ami, yo client aux alliés, en a question d'une question dans le pang. Mais, mon tante que le pang non, voilà, le pang aux alliés à grand frère, le pang aux alliés à maman Abisso, le pang aux alliés à tel, la bisingana tel, quel est le pang, pesangambon sur le mécanda. Mais non, c'est absurde. Vous ne pouvez pas donner l'argent comme ça. Les propriétaires dans les pays résidents, là où il est, ils doivent faire ce qu'on appelle une procuration spéciale. Cette procuration doit être légalisée au niveau de la mairie dans les pays résidents, dans la ville où il est, il va légaliser là-bas. Et puis, lorsqu'il légalise ça là-bas, maintenant, il va. Lorsqu'il légalise là-bas, mais à côté de la procuration, la moto est à Pony, la moto est à Tindi pour Atekalopang. C'est alors le monsieur, lui, la madame, a joué maintenant Pifo. Il est maintenant, il a reçu le mandat. Les mandats pour vendre. Mais si jamais vous achetez une parcelle comme ça, quelqu'un vient à l'étranger, vous achetez la parcelle ici sans pourtant avoir cette procuration spéciale. Donc, au côté de la carte, au côté de la carte, il n'y a pas de problème. C'est ainsi qu'il est conseillé. Il est conseillé, dit, et je répète, il est conseillé d'avoir un juriste, d'avoir un avocat. Avant que cela soit chat, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de lame, il y a un avocat. Ou bien, une agence qui peut te faire des suivis de tels documents, de telles précisions pour éviter des problèmes, des problématiques. C'est très important. Alors, j'aimerais spécifier, j'aimerais entrer, je pense que pour la question, la préoccupation, la numéro est affiché, il y a écran. Pour la préoccupation, la beaucoup de gens ont l'habilité de répondre à la. Nous sommes là pour vous aider. Pour nous reposer sur le classement, ils ont offélé, ils ont un bon côté. Donc voilà, c'est très important. Alors, montons en présent la concession, c'est-à-dire 10 hectares, 15 hectares. En première lieu, tant que nous sommes une concession, sûr et certainement, premièrement, pour moi qui passe à chef coutumier, celui qui doit vous vendre la concession. Vous achetez 10 hectares, 15 hectares. En premier lieu, les concessionnaires, pardon, les chefs coutumiers vont vous donner ce qu'on appelle l'acte de vente. Et après cet acte de vente-là, vous n'irez pas à la commune pour avoir la fiche parcellaire. Parce qu'une concession, ce n'est pas une parcelle. Vraiment, vous me permettez de dire des termes un peu terre en terre selon la compréhension des gens. Vous voyez? Parce que sur le plan juridique, que ce soit la parcelle, comme on appelle, tout ce sont des concessions. Voilà. Mais si le langage courant, il y a une différence entre concession et puis une parcelle. Voilà. C'est par exemple, on appelle immeuble pour le mot juridique. Que ce soit un terrain vide, c'est l'immeuble. Un immeuble, une maison en étage, c'est toujours l'immeuble. Vous voyez? Une maison en deux chambres, c'est toujours l'immeuble. C'est le plan juridique. Voilà, c'est ça la différence. Mais si le plan
de l'ingénierie, c'est différent. Donc, un terrain vide, on produit un terrain vide. Un immeuble, c'est un bâtiment. Vous voyez, c'est ça la différence. Donc, ça dépend des contextes. Alors, ici, j'aimerais, je serais un peu terre à terre. Voilà, c'est un peu ça. Même sur le plan comptable, ce n'est pas d'immeuble, même un terrain vide, c'est l'immeuble, sur le plan comptable. Donc, ça a été toujours ainsi. Donc, voilà, maintenant, ici, je ferai un peu terre, langage courant pour la meilleure compréhension. Donc, vous achetez une concession auprès des chefs coutumiers. Vous irez à la commune pour avoir les documents qu'on appelle enquête de vacants. Enquête de vacants. Voilà. C'est ça l'enquête de vacants. Voilà, enquête de vacants. Voilà. Cette enquête de vacances, je peux lire. Je peux lire ministère provincial d'agriculture. Commune D. Ça peut être Mongafula, ça peut être Nzélé, ça peut être, je ne sais pas moi, ainsi de suite. Procès verbal d'enquête préalable de la concession à l'usage agricole. Vous comprenez? C'est ça la clé des vacances. Alors ici, il y a aussi des détails sur ça. L'usage agricole. Pourquoi agricole? À ce qui concerne l'achat des concessions, on ne donne pas la concession pour les gens qui veulent construire. En premier lieu, vous irez à la commune. La commune n'est pas habilitée de vous donner les documents pour construire. Je pense que c'est clair. On vous donne la quête des vacants à l'usage agricole, premièrement. Je pense que je suis très clair. Premièrement, c'est l'usage agricole, s'il vous plaît. Alors, lorsque vous avez ces documents ici, maintenant vous allez prendre et les documents agricoles et l'acte de vente en annexe. Vous allez introduire au niveau du ministère des Affaires foncières. Les affaires foncières pour avoir les documents. Alors, les affaires foncières, en premier lieu, on va vous donner les documents ici. Ces documents ici, on appelle ça, je dois lire. Ministère des Affaires foncières, direction des titres immobiliers, division des titres immobiliers de Mwamba, Changu, Mongafula, Nsele, ainsi de suite. Je ne sais pas moi. En grand caractère, ici dans les titres, ici on a écrit demande de terre. Bien sûr, vous avez acheté la concession. Bien sûr, on va vous donner les documents d'exploitation pour l'usage agricole. Mais cette terre-là ne vous appartient pas. Je pense que c'est clair. Parce que la loi dit que le sol appartient à l'État. Alors, au niveau des affaires foncières, vous irez là-bas pour faire la demande de terre. Vous allez remplir les documents ici. Demande de terre. On demande le nom, le prénom, lieu, date de naissance, nationalité, carte d'identité, état civil, régime matrimonial, nombre d'enfants en charge, adresse. Habitation et ainsi de suite, année de résidence, ainsi de suite. Vraiment, il y a beaucoup de demandes ici. Vous allez remplir. À la fin, vous signez, vous introduisez et puis on va vous demander les moyens, les finances. Vous allez payer là-bas. Donc, si vous n'êtes pas habilité de le faire, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. D'où vous cherchez carrément un juriste, un avocat. Il va faire les démarches pour vous. Je pense que c'est trop clair. Alors, vous faites cette demande ici et au niveau des ministères d'affaires foncières, on va vous donner ce qu'on appelle les contrats de location pour des concessions amphithéoses, contrats de location. Dans les contrats de location ici, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas vraiment une grande différence entre les contrats de location pour la parcelle et pour la concession. Je dis qu'il n'y a pas vraiment une grande différence parce que toute, que ce soit la parcelle, que ce soit la concession, donc, c'est-à-dire les étendues graves, les étendues un peu larges, ce sont des concessions. Voilà. Alors, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Là, il faut bien retenir. Alors, je disais qu'on appelle ça contrat de location. Pourquoi contrat de location? Parce que vous devenez locataire de l'État. C'est un contrat entre vous, individu, l'acheteur. Et l'État congolais, je dois lire. République démocratique du Congo, ministère des Affaires foncières. Souscription foncière de Mwamba, Lukunga, Tchang, ainsi de suite. Voilà.
Transmet copie pour information au directeur, au monsieur le directeur général des impôts à Kinshasa, Gombe, ainsi de suite. Monsieur le bourgmestre de la commune à Kinshasa, Bongafoula, Nsele, ainsi de suite. Monsieur le chef de division du cadastre à Kinshasa, ainsi de suite, commune, ça c'est commune, là où il est affecté. À messieurs les acquéreurs, c'est-à-dire vous. Après, il est écrit ceci. Ça, c'est le ministère qui écrit. J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe le double exemplaire des projets de contrat de location relative à la parcelle numéro. Ici, on donne, c'est le ministère qui vous donne les numéros de la parcelle, de la concession. Je pense que c'est clair. 38.488 situé dans la commune de Lancelet, ainsi de suite. Contrat a été conclu suivante. Durée du contrat, 3 ans. Dans le contrat, une durée de validité de 3 ans. J'avais dit ça au préalable, j'avais dit ça, 3 ans. Et puis, date de prise en cours, c'est l'heure de la signature. Et puis, les loyers annuels, c'est-à-dire chaque année, l'acquéreur doit commencer à payer ses loyers à l'État. D'ailleurs, les loyers là n'est pas cher. Par exemple, ici, je vois ici, il est établi, le loyer annuel, c'est à 3763 francs, pas même 2 dollars. C'est 1,96 dollars comme ça. Donc, 1,96. Vous voyez? Donc, ce n'est pas beaucoup. C'est chaque année. Vous allez payer. C'est payable annuellement. Alors. Bon, j'évolue. Je parle parce que les médias, c'est l'heure. Je saute d'autres. Parce qu'ici, il y a des articles. J'attire votre attention pour le fait que votre contrat interviendra... qu'après le paiement de la somme ci-dessous. Taxe d'établissement du contrat, frais de résiliation du croquis, frais de croquis, occupation provisoire, loyer du loyer. C'est-à-dire qu'on va commencer à payer chaque mois. C'est très important. Alors, ici, je prends l'article D. Le présent contrat prend cours le, c'est-à-dire la date que vous avez signée. Il est conclu pour une durée de 3 ans au loyer de soi, 50% du prix référence de calcul en raison de mètre carré, la superficie. Voilà. Bon, il y a beaucoup de toutes choses que je dois expliquer, mais sauf que le temps que nous fait défaut, je pense que je dois expliquer d'autres à la prochaine. Alors, je saute l'article 2, je prends article 8. Au plus tard, à l'expiration du terme de 3 ans fixé à l'article D, le présent bail sera remplacé par un contrat de concession perpétuelle pour autant que le locataire A à remplir les obligations de mise en valeur et autres. C'est-à-dire, on donne le contrat pour vous permettre de construire. C'est ça l'objectif de l'État. Il vous donne pour que vous mettez les terrains, les sols en valeur. Vous voyez? Que ce soit la parcelle, que ce soit une concession à l'usage agricole, lorsque vous allez prendre déjà les contrats, c'est-à-dire la concession a changé l'usage agricole à l'usage résidentiel. Vous pouvez construire des cités. Je vais construire des cités, je vais construire des parcelles, ainsi de suite. Vraiment, là, ça change l'usage. C'est très important de vraiment noter et bien. Donc, si vous avez des préoccupations, veuillez nous écrire, veuillez nous contacter. Vraiment, mais c'est ma quoi, ça qu'on a air fixité. Benanga na air nyon sou yo lingi, nazan à votre disposition. Je pense que c'est clair. B. Payer les prix de référence tels que les fixés à l'article D. Majorer des arriériers, des loyers, taxes, rémunératoires, d'usage. C'est-à-dire, tant que nous avons besoin, nous avons besoin de un contrat. Alors, contrat, ça va tomber tant que vous avez un certificat d'enregistrement. C'est document à perpétuité. C'est un document perpétuel. Et tu as libéré la vie. Mais pour payer ça, il faut que tu aies. Alors, tant que vous avez un contrat, par exemple, pour la concession, alors, vous voulez maintenant vendre. Vous voulez vendre une concession. Vous voulez vendre maintenant des parcelles. C'est là qui cause préjudice, c'est là qui cause problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de diasporas qu'on a constaté. Bazo Somba Paxel n'est pas ma concessionnaire sans pourtant savoir qu'il y a des procédures à suivre.
Ça, c'est un problème sérieux. C'est un problème majeur. Alors, lorsque vous voulez maintenant faire vendre la concession pour des parcelles, mais sur l'ingoteka, par exemple, concession, on a comme bimbe concession, au côté, sans problème. Sans problème, on aura document au contrat de location, au bengi acheteur, aïe, vous savez, acte de vente au PC Mikanda, à Kenaï. Ça, ça cause pas problème. Mais, tant que vous avez au TK, maintenant, ma parcelle, ou bien, yo linko soma le pango na concession d'un individu. Alors, pourquoi vous soma mon dingwanate? Vous me comprenez? Parce que, à l'usage à quelqu'un côté ka ma pango, te pas te ka ma pango, il faut te ka yango na contrat de location. Maintenant, les concessionnaires a comme démarche. 1. Il va écrire au ministère des Affaires foncières que moi, par exemple, M. Makwala, je voulais vendre des parcelles. Je voulais vendre des parcelles dans ma concession. J'écris là-bas. J'écrive là-bas. Alors, lorsque je dois écrire, maintenant, le conservateur, ou bien le chef de division, il va envoyer ses agents à côté de la bâtiment, il y a un terrain, il y a une concession. Ils vont prélever ce qu'on appelle les données. Alors, à l'aide de la technologie, ça va donner GPS. Il appelle données GPS, il rentre avec ces données-là dans la carte, la base des données dans Bango. Ils vont maintenant représenter les terrains sur les plans, cadastrer sur les plans et géographiques. C'est-à-dire les données qu'ils vont prendre sur les données géographiques. Vous voyez, les données géographiques, ils vont prendre ça. Sur les plans, ils vont représenter la concession sur les plans géographiques. Géographique de la ville. Voilà. Alors, maintenant, et là-bas, chez eux, là-bas, ce sont eux qui vont établir maintenant un plan cadastral tout à travers la configuration de votre concession. C'est le plan cadastral. Dans le plan cadastral, ils vont maintenant tracer les avenues. Il faut bien retenir. Ils vont tracer les avenues et les parcelles. Et puis, ils vont octroyer les numéros cadastrales à chaque parcelle. Les numéros cadastrales à chaque parcelle. Soki ke oké kosomba concession le pango na kati ya concession et que concession wana ba eza lotité ça appelle lotissement pour passer la plan cadastre ba trouver bien benga ngo lotissement. Il faut le concessionnaire va intervenir, il va appeler le ministère pour intervenir pour faire le lotissement. Si le lotissement n'a pas eu lieu, il faut pas acheter parce que ceux qui osomba terrain na kati ya concession li cadastré et que ba ça qui lotissement té osa na problème, c'est-à-dire quoi? Même après ce acte de vente, ok, na commune, après ce fiche parcellaire, yeba ke, ozali na yo, pa vala, ozala na en l'air, ozala l'okliko, ato otongi. Le pang, on a to concession jusqu'à présent, ezara kana kombo ya concessionnaire. Rien ne prouve que la parcelle a été moxelée. Parce que je vous avais dit que la concession de la parcelle a un plan, a un croquis, est enregistré au niveau du ministère des Affaires foncières. Les croquis là va tomber cadique. Pour les croquis tombent cadiques, il faut qu'il y ait demande de moxellement. Il faut qu'il y ait lotissement. Dans le lotissement, il y aura un plan cadastral pour le moxellement. Ils vont octroyer d'autres numéros. Pour les numéros initiales, tombent cadiques. C'est-à-dire, écoui, cadique et kofi. Pour binobos, vous avez jouissance, il y a ma belle ou binobos. Mais ce que je suis un concessionnaire, que à cela qui demande un moxellement, au côté de la carte, il y a piège. Voilà. Si aujourd'hui à Kimi, Boroki, Mawanambar, Bokopakatambang, ceux qui font la justice au Kokweya, ceux qui ont fait bananaï, tout le monde a une habilité à foutre des blocs dehors. Alors, il ne faut pas condamner l'État, mais il faut connaître la loi, il faut connaître la procédure. Ça va vous aider beaucoup pour sécuriser vos biens. Je vous avais dit que l'argent n'est pas facile. Même un 3 000, un 5 000 dollars, c'est de l'argent. On ne ramasse pas l'argent. L'argent n'est pas facile, il faut sécuriser vos biens, c'est très important. Alors, tant que ça y est, lotissement, on a loti le terrain, et puis, l'affaire foncière va reconnaître, et tant que vous avez un lupango et pas concessionnaire, le conservateur a établi un acte de vente, il va vous donner un jeton. Dans les jetons là, ça va représenter les numéros cadastrés de la parcelle vendue. Parce que sûrement, dans la concession, il y aura beaucoup de parcelles. Une concession peut avoir 100 parcelles, 200, 300, 400, 500 parcelles, 600 parcelles. Tant qu'il y a un peu sur le jeton. Jeton, on a un acte de banque, 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 on a un acte de banque,
Maintenant, bah, on paye ça, yo, contrat de location, na numéro cadastral, ou yo, paye ça, yo, bah, paye si wana. Bah, bien, c'est maintenant contrat, na superficie wana. De permettre, yo, otonga, ce que si, kotongo, kozui, certificat d'enregistrement, pour na, portion, ma belle, ou yo, se, na, kata concession. Alors, bah, t'es bien, parce que ça, la, bah, erreur, que, à son bilo, pas, on a kata concession, concession, et zala qui m'oxelete. Sache-le que, bah, c'est un problème sérieux. Alors, tout n'importe quoi, vous hésitez. Vous avez déjà tombé dans ma com dans Zoloba. Si vous avez des préoccupations, ne m'appelle pas. Le cause vous avez tombé. Benga un avocat, avocat na yo. A qui ne peut vérifier ma kambonga na ibisio. Et vous verrez qu'il y a des problèmes sérieux. Alors, je sais bien que Monsieur Macoal actuellement, je suis beaucoup combattu pour notre concessionnaire. Bah, ça combattre ibisio. Mais ce qu'on fait ici, pour un souci à éclairer diaspora congolais. Il y a des problèmes et délais. Parce que la fois passée, je me suis allé quelque part, dans le temps à Komboté, pour aller faire la construction. Et j'ai remarqué que le terrain était cadastré, mais le concessionnaire n'avait pas ce qu'on a fait. Il n'a pas fait ce qu'on appelle le lotissement. Le terrain n'a pas été loti, mais il a vendu. Il a vendu des parcelles, il a trouvé des fiches parcellaires. J'ai dit à mon client que vous ne pouvez pas construire là-dessus parce qu'il y a des problèmes purement juridiques. Il hésitait. J'ai dit, monsieur, moi j'ai besoin de l'argent. Je vous parce qu'il voulait construire. Maintenant, vous hésitez. Je pense que vous avez besoin de ton article, de ton article, de ton aussi de ton article. Le monsieur a envoyé son avocat. Il arrive là-bas, il a constaté toutes ces bêtises ici. Maintenant, quand maintenant la procédure, mon souci, il a remédié la citation. Alors, ça devient maintenant kilométrique. Au départ, avant d'acheter une parcelle, mieux vaut utiliser l'agence ou bien utiliser carrément un juriste qui maîtrise mieux ce domaine ici. Ça va vous aider. Donc voilà. Merci beaucoup à tous qui nous ont suivis par rapport au déroulement de ces exposés. Venez nous écrire vos impressions sur les commentaires. Veuillez s'abonner aussi. Alors, M. Macoal est là, nous avons besoin de marché de construction. Donc, Pesabiso, Msale à Kotonga, nous sommes là, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Mwanda, au Congo central, ainsi de suite. Nous sommes là à Bandundu, à Kikwiti, à Mwenedito, à Isiro, à Bunia, à Kasumbalesa, à Lubumbashi. Nous sommes là pour vous servir. Vraiment, viens nous contacter. Nous avons un cas pour nous servir. Merci beaucoup. Nous avons besoin d'impression, nous avons un commentaire. Et puis, vous avez un numéro affiché. Je suis là pour vous servir. Voilà. Alors, pour toutes vos préoccupations, pour toutes vos questions pertinentes, venez nous écrire. Je pense que le deuxième volume, ça va venir pour vous expliquer d'autres procédures. Parce qu'il y en a plein. Alors, mais si vous avez le temps, n'oubliez pas de consulter ce que j'avais dit, les manuels, les guides, pour connaître les procédures à suivre pour l'acquisition des terrains, hein, des lois foncières, par exemple. Excusez-moi, je dois lire ici. Je n'ai pas parlé des choses qui viennent dans ma tête, ça ne sera pas mieux. Alors, guide pratique d'acquisition d'une concession foncière en République démocratique du Congo. Vous consulter les nets, vous téléchargez ça, vous avez tout le temps, tout votre temps pour lire. Vraiment, c'est un manuel beaucoup. Alors... il y a d'amples matières, on a à peu près 48 sujets là-dessus, donc 48 chapitres, je peux dire. Donc voilà, c'est important. Donc voilà, essayez de lire, c'est très important, ça va vous aider beaucoup. Alors, M. Macoal est là pour vous servir. Viens nous contacter par les numéros qui sont affichés. Nous sommes là, à Kinshasa, et puis nous construisons, on a des chantiers à travers la ville et la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, on va se voir très prochainement et à très bientôt. Bye bye.